Ça va, vous allez bien? Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas de protocole. On va se dire les vérités. Un contre un. Face to face. C'est un corps à corps. Entre vous et moi. Ok. Ça fait 3 jours. Ça parle sur Facebook. Ça raconte plein de trucs. Je vois. Je lis. Je commente pas. J'analyse. Pour essayer de comprendre les ambitions facebookales de certaines personnes. Depuis le décès de Daesh Khan, tout le monde est devenu directeur de live sur Facebook. Tu vas ici live, tu vas là-bas live. Chacun fait sa petite sorcellerie autour du décès de DJ Arafat. C'est que toutes ces personnes avec des ambitieuses démoniaque, macabre, ténébreux, piteux, laboureux, désastreux, dangereux, tout ce que reçoit, parce que c'est bizarre, c'est I don't understand, je ne comprends pas, parce qu'il faut qu'on m'explique. Ces énergumènes-là se permettent et se pavanent sur les réseaux sociaux en racontant tout et n'importe quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent, qui disent que oui, c'est un complot, Arafat n'est pas mort. Il est vivant. Il est caché quelque part, il nous regarde. À un moment donné, il faut apprendre à respecter la mémoire des gens qui sont décédés. Arafat, il a une famille. Il a une fille, il a une femme qu'il a dotée. Il a une maman. Il a des enfants. Il y a des gens qui se lèvent, qui font des théories comme quoi, oui, le corps d'Arafat n'est pas Ivosep. Son corps est où? On veut voir. On t'a dit que c'est tomate, on va au marché, puis on expose, et puis voilà, tu viens, tu regardes. Ou bien c'est du pain à la boulangerie qui sort, tu viens. Une baguette de pain, s'il vous plaît. Et on te donne, tu prends, tu t'en vas. C'est igname en vin. C'est banane sur le marché. C'est Aloco en vin. C'est KFC en vin. C'est McDo en vin. C'est Quick en vin. C'est chaussures en vin. C'est à Bion Espoz. Et puis tu viens regarder. Oh, mais c'est beau. Je veux ça. Hein? Sauvage comme ça. On va voir son corps. Quand ton père est mort là, tu as vu son corps? Quand tes parents sont morts, on t'a demandé le corps de tes parents. Ils sont assis, ces macrocéphales, ces concours-là, ces imbéciles-là. Ils s'asseyent sur Facebook. Ouais, le corps d'Arafat n'est pas Ivosep. De source sûre. Bah, si tu es sûr que son corps n'est pas Ivosep là, son corps est où? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas foutre avec son corps? Tu veux voir pourquoi? Pourquoi tu veux voir? Why are you voying? Because I'm confused. Tell me. À cause de 2 connexions vous avez pris là. On peut plus respirer sur Facebook. On t'a dit c'est pas à la boulangerie. On va sortir, exposer comme ça. Tout le monde va regarder. Ça va pas chez vous? Ça va pas chez vous? D'être sauvage comme ça. Oui, son corps n'est pas, il vous sert. C'est clair que le gouvernement. Et puis quand vous parlez même là, vous n'avez pas peur. Et puis le plus souvent, c'est les sauvages morpions, croutards, ignats, salopards, tout ce qui est pas comme léopard, qui sont assis en Europe là-bas, qui racontent des bêtises pareilles. Viens t'asseoir à Bidjan ici, tu vas ouvrir ta gueule pour dire oui, le corps d'Arafat n'est pas, il vous sert, que c'est le gouvernement qui est en train de confisquer son corps pour faire du n'importe quoi. C'est parce que tu es assis en Europe, non? Tu as la gueule pour parler. C'est ça. Ta gueule, on dirait Spa Schengen là. C'est ça, ta vilaine bouche qui sent. Ta bouche, on dirait cuvette, lavabo de vaisselle là. Tu as assis en Europe là-bas. Ouais, c'est le gouvernement qui a pris le corps d'Arafat. C'est le ministre de la Défense. Plein de conneries. Viens t'asseoir, bien ici, tu vas répéter ça. Viens ici, tu vas répéter ça. Tu vas t'asseoir en Europe, te cacher quelque part là-bas. Oui, le corps d'Arafat est confisqué par le gouvernement. Dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas assez de problèmes. Problème et question, ils n'ont pas fini de régler. Hein. Avec Goudron, biodégradable, ils n'ont pas encore fini de régler ça. Hein. Goudron, quand il pleut, tout s'en va. Rire. Ça là, ils n'ont pas encore fini de régler. Hein. C'est quoi d'Arafat, ils vont prendre pour faire confiscation de corps, pour faire quoi? Ils vont manger. C'est du pain. C'est à checker. C'est garba, ils vont manger. Avant de parler, il faut réfléchir un tout petit peu. Il faut réfléchir un minimum. Vous mettez le doute dans la tête des esprits, des gens qui sont faibles. Il y a un autre groupe qui vient s'asseoir, ils disent que c'est un complot. Arafat n'est pas mort. C'est buzz. Vous ont chié dans vos têtes, mais c'est quoi? C'est Ebola qui vous fatigue.
Il y a des gens qui font des théories, mais monstrueuses. Il n'y a pas de tatouage ici, il n'y a pas de tatouage là. Bon, son nez est comme ci. Bon, son nez était comme ça. Bon, sa tête est comme ça. Bravo. Vous, là, quand vous dites, voyez bien, qui c'est pour dire, vous parle mal. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi même? Téléphone en train de se décharger. C'est ça aussi, non? C'est ça à faire des iPhones, non? C'est ça. Tu as commencé petit direct pour. Se décharge. Attendez, je vais mettre par la banque là. Ça, ça va pas être ici. Neuf. Dans huit. Parents d'Ariel Chenu. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas français. Ou bien il y a carie dans vos oreilles. Ou bien il y a diarrhée dans vos oreilles. Ou bien il y a cancer des oreilles. Mais je ne sais pas. Ton tympan, il faut qu'il te dise la vérité. Ariel Chenu dit, il veut chanter dans l'orchestre le 30. Bon, la Chine populaire a décidé. Ari, tu ne chantes pas. Mais on t'a pas interdit de venir pleurer ton mentor, ton papa, tout ce que tu veux, le Dai Chicken. Mais ils disent que tu ne chanteras. Point. Ça là aussi, on fait débat dessus. Ça là aussi, on fait pas la. Souvent, je ne sais pas, hein, quand on expose des choses, il faut prendre le temps de lire. Dieu t'a donné deux yeux, une tête. Et puis à l'intérieur de la tête, là, il a mis un cerveau. Pour que tu puisses réfléchir. C'est écrit. Parce que souvent là, il y a des gens qui transforment tout. Il y a des gens qui sont bêtes. Ils sont nés bêtes. Ils vont mourir bêtes. Ça, c'est un truc qui est inévitable. Parce qu'il y a même des gens, ils te suivent en mouton. Ils ne t'aiment pas, mais ils sont là. Tu fais direct, ils n'aiment pas, mais ils sont là. Toi, quand on va te dire ta mère, con, tu vas te fâcher. Parce que ce n'est pas ton papa ni ta maman qui paye la connexion d'autrui. Mais toi, tu te pavanes de passe en passe. Toi, là, tu n'aimes pas. Mais tu n'aimes pas la personne. Mais faut foutre le camp. C'est pareil. Ariel Chenu. Il dit, il veut chanter. Le staff a dit, tu ne chanteras pas. La Chine a dit, tu ne chanteras pas. Mais si tu veux assister, il n'y a pas de problème. Le portail du staff ne sera pas fermé pour toi. Laissez transformer l'histoire en disant que oui, Ariel Chenu, plein de conneries. Ariel Chenu, là, il a dit qu'il veut chanter. Le staff et la Chine ont dit non, tu ne chanteras pas. Par contre, si tu vas assister, viens. Pour faire ça là aussi, là, ça la petite truc, on va faire débat. On va faire débat. Récitation. Hein? Dissertation. Parenthèse, entre guillemets, pour ça encore on va s'insulter, pour ça encore on va se clasher. Quand l'imbécile de pasteur de merde là est venu vous raconter de n'importe quoi là, ça encore on a fait débat, ça vous a divisé. On n'a pas encore fini de régler. Le lendemain, on met le corps de Thierry Zo, père à son âme, sur Facebook. Cause Arafat, on n'a pas encore fini. Parce que le staff et la Chine ont décidé de ne pas que. Ils ont décidé de ne pas faire chanter Ariel Chenu aux obsèques. C'est fini. Ça devient un tollé national. Un problème national. Pourquoi tant de marmailles autour de ce truc-là, en fait? Il faut avoir un esprit fertile. Un esprit de discernement. C'est comme si les gens attendent le petit couac quelque part pour ensuite vociférer, cracher leur haine sur les réseaux sociaux. Depuis combien de jours? Direct sur direct, tu passes à gauche direct, tu vas à droite direct, tu viens au milieu direct, tu vas au sud direct. Même ceux même qui faisaient direct avant, ils ont des personnes, c'est que c'est lui qui se regarde et puis lui-même, plus son camarade là. Aujourd'hui là, ils ont 100 personnes qui les regardent net, ils sont devenus directeurs des programmes de live sur Facebook. Chaque jour, ils font direct sur direct, direct sur direct. Les femmes mariées là, tu es marié. Ton mari te trompe. Tu sais ça. Au lieu de t'occuper de ton foyer, c'est Arafat. Tu n'as pas de travail. Tu es au chômage. Tu manges un coup par jour pour te laver ses problèmes. Pour te brosser ses problèmes. Tu vas payer passe des ça. Pour venir faire direct sur Facebook. Et quand tu finis, tu as faim.
Mais faut prendre passe là, tu vas payer une nourriture pour manger. Ton gars te frappe, il te boxe, il te gondole, on dirait fait. Va porter plainte à la police. Non, non. Tu es sur Facebook. Ton affaire d'Arafat, tu ne peux pas. Arafat ici, Arafat là-bas. Pourtant, ton crabe poilu là, hein, ton Donkey Kong là, il passe ton santé à te botter dans la maison là. Quand il va te tuer là-bas, c'est pour dire oui, j'ai parlé d'Arafat. Occupe-toi de ta vie. Je comprends pas. Ton mari te trompe. Tes enfants n'ont pas à manger. Toi-même, tu ne travailles pas. Tu es au chômage. Au lieu de prendre ce petit temps-là pour s'occuper de ta vie, de tes enfants, de ton mariage qui est en train de partir dans n'importe quoi. On veut te divorcer. Ça, là, tu as oublié. Quoi, Arafat? Mais occupe-toi de toi un peu. C'est vrai. Vous laissez vos activités pour vous asseoir sur Facebook à faire des directs qui n'ont ni queue ni tête. Au moins, quand on fait direct là, au moins on dit des choses qui sont sensées. On apporte, on a dit la vérité là où il y a le mensonge. C'est comme Jésus. On apporte la lumière dans les ténèbres. Mais toi-même, tu es dans les ténèbres. Et toi qui te lèves, ouais. Arafat, même là, même lui, là, même. Son corps là, même, on ne voit pas. Tu veux voir son corps, pourquoi? Tu es une femme. Tu as 54 enfants de 54 pères différents. Les enfants de tes propres enfants ne connaissent même pas leur père. Au lieu de partir chercher le papa de tes enfants, tu es sur Facebook. Oh non, Arafat. Mais et le père de tes enfants, il est où? C'est ça. C'est ça la vraie question. Il y a un imbécile qui t'a accepté, il n'a pas reconnu. Au lieu de le poursuivre, tu es sur Facebook. Arafat. Vous êtes sur Facebook matin, midi, m'adresse au directeur de live de Facebook. Là. Les gens qui viennent raconter des bêtises en point fini sur le décès d'Arafat qui profite de ça pour avoir de l'audition, de l'audimat. Hé, hey, c'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas autre actualité dans le monde là? Ta vie ne te dit rien? Mettre ma clim, attends, je vais démarrer mon moteur. Faut pas attendre. Commence à avoir un peu chaud. Voilà. Ça va climatiser. Là. Comment ça va chaud. Voilà. Donc oui. Arrêtez un peu de raconter du n'importe quoi. Troisième point. Les complotistes là. Ils s'asseyent sur Facebook et disent oui Les francs-maçons sont à Abidjan. Les francs-maçons sont venus pour tuer tous les Chinois afin de s'enrichir. Mais quand vous ouvrez vos gueules de merde puante, de merde crasseuse, macabre, ténébreux, pitueux, laboureux, désastreux, dangereux, tout ce qui est sauf heureux parce que c'est bizarre, ça aïe, pour l'instant, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique là. Quand tu ouvres ta sale bouche que tu ne brosses pas pour t'asseoir sur les réseaux sociaux et raconter des bêtises pareilles, mon frère, tu réfléchis. C'est que vous levez, vous créez des trucs imaginaires dans vos têtes. Et quand vous vous ennuyez, vous venez sur Facebook pour dire non, les francs-maçons sont habitués pour venir tuer tous les Chinois. C'est que tous les Chinois qui rentrent ce jour-là, le 30 là, au stade, ils vont tous mourir. On va arracher vos âmes. Et puis vous êtes content. Vous avez fait bon travail. Et puis demande aux gens de partager, liker. Envoyer l'information très très loin. Toi, tu connais un franc-maçon. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la franc-maçonnerie déjà pour commencer? C'est que tu ne connais même pas la définition étymologique de la racine rassatale qui parle de franc-maçonnerie, mais c'est toi qui ouvres ta gueule là pour parler de franc-maçon. Toi, tu connais un franc-maçon. Tu n'as pas BAC, tu n'as pas BPC, tu n'as pas CEP, tu n'as aucun diplôme. Tu es un alphabète. Comme tu as entendu franc-maçon, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu te lèves direct. Les francs-maçons sont venus tuer les Chinois à Abidjan. Bon, si on te pose la question étymologique de la racine rassatale qui veut dire que
franc-maçon, ça veut dire quoi? Tu as dit quoi? Est-ce que tu connais la définition même du mot même de la phrase franc-maçon? Vous êtes bêtes, vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Au lieu de vous cultiver, non, ça s'élève. Ah, les francs-maçons sont habillés. Allez, là, c'est pour venir tuer tous les Chinois. Moi, je ne vais pas où. Tu as déjà vu franc-chinois? Et pardon, franc-maçon. Tu as déjà vu? Tu connais franc-maçon? Si ce n'est pas Facebook ou bien à la télé, dans les films des Américains, là, tu as déjà vu franc-maçon? Tu les connais où? En fait, c'est les sorciers qui veulent boycotter, en fait, le truc d'Arafat. Mon frère, si toi tu ne veux pas venir, il n'y a pas de problème. On comprend. Mais pourquoi inciter d'autres personnes à te suivre dans ta stupidité? Ton esprit est coincé. Ton esprit est stérile. Ton esprit est bête. C'est pour ça que tu es pauvre. Tu vas rester pauvre. Tu vas mourir pauvre. Tes parents vont rester pauvres. Tes enfants seront pauvres. Ta femme sera pauvre. Tout le monde dans ton entourage sera pauvre. Et tu vas mourir pauvre. Parce que pendant que les grands esprits sont réunis, ils changeront le monde. Toi, le petit esprit de merde, tu es assis, tu réfléchis à comment est-ce que tu veux intoxiquer les gens. Et puis pour toi, tu as fait bon travail. Franc-maçon. Tu connais franc-maçon? Est-ce que tu connais la définition même de franc-maçonnerie? Tu connais? Vous êtes là, les francs-maçons, francs-maçons. Tu as déjà vu francs-maçons quelque part? Toi-même, ta minable vie de merde dans laquelle tu es là, tu n'as pas permis de conduire, tu n'as pas voiture, tu n'as pas passeport, tu n'as jamais voyagé. Toi, tu es sûr que la merde, tu dis que les francs-maçonneries, c'est la sorcellerie là. Ils ont beaucoup d'argent pour faire du n'importe quoi là. Si toi-même, dans ta galère, dans ta misère dans laquelle tu es là, s'ils viennent te proposer de rentrer dans un set pour devenir 10 milliardaires, tu vas refuser. Tu as refusé, chien pourri, analphabète, idiot, zoba, ndoki. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous spéculez des choses dont vous ne connaissez pas la véracité étymologique de la racine rassatale qui veut dire, qu'est-ce que veut dire franc-maçonnerie? Non. C'est les pauvres. C'est tous les pauvres. Une femme fait son téléphone. Toi, le pauvre, tu parles, c'est trop cher. Va payer Wiko. Wiko, c'est 5 euros. Quand on n'a pas l'argent des iPhone, on paye les téléphones Jomolo. C'est débrouillé avec. C'est grave. Vous êtes chez vous là-bas, hein? Vous n'avez pas compte bancaire. Vous n'avez même pas carte de crédit. Ni carte dans tes mains, il n'y en a pas. Au lieu de penser un peu à vos vies, c'est Facebook. N'importe quoi. Celui qui n'est pas content, il m'en fout. Il ne mange pas chez toi. Ton like me donne pas l'argent. Donc il m'en contribalance même. Mon contribuche. Si tu n'aimes pas là, quand tu me vois dans la rue d'Abidjan, faut m'arrêter. N'importe quoi. Depuis le mec est décédé là, on ne peut plus respirer. On ne peut plus. Laisse-le va reposer en paix. Chaque jour à la fête, chaque jour à la fête, c'est quoi? Même nous-mêmes, on a l'information en temps, en air, en seconde, là, on dose un peu. On met un peu de trucs pour distraire un peu les gens, histoire de voir, de rigoler, papoter, essayer un peu de passer le deuil. Après, on met un peu. On, le truc, c'est qu'on ne vous inonde pas d'informations chaque jour à la face. Non! On met un peu. On jauge. Histoire de vous faire oublier un tout petit peu. Mais il y a des gens là, l'actualité.